Eh bien, salut à tous et à toutes. On se trouve pour une nouvelle vidéo, pour la petite vidéo que vous m'avez demandé en live et en commentaire de vidéo. Je vais vous dire le sommaire, ce que vous m'avez demandé. Mais avant, je voulais vous remercier tous ceux-là qui m'ont demandé, qui sont abonnés à la chaîne YouTube sur la chaîne. Super, ça fait plaisir. Merci à tous ceux-là qui étaient actifs sur le live. J'ai pas pu le faire plus longtemps parce que ça avait bugué, vous avez vu. Voilà, je testais une application qui est super bien, qui fonctionne bien, qui peut avoir de la bonne qualité. Je vous fais voir tout ça. Alors voilà les gars. Alors voilà, on m'a demandé comment tu faisais tes miniatures, tes montages et comment tu live sur Samsung. Voilà, moi j'ai le S7 Prime, je crois, ou S7, ça c'est sûr, c'est le S7, tout simplement. Alors, nous allons aller voir ça tout de suite. Alors, on va se retrouver sur le Play Store, les amis. Je vais vous faire voir l'application d'abord, l'application pour le live et après l'application pour le montage et après l'application pour les miniatures sur téléphone. Et voilà, on fait du bon boulot avec ça. Vous prenez juste ces trois applications-là. Et après, je vous ferai voir si vous voulez pour la fin comment je mets les trucs à la fin, comme rajouter une vidéo, rajouter l'autre vidéo. Et avec le petit rond de votre chaîne YouTube, c'est facile aussi. Alors, déjà, vous allez aller sur Play Store, vous allez marquer ceci là. Voilà, il y a marqué Twitch et YouTube. Je suis tombé par hasard dessus. Tout simplement, je suis tombé par hasard dessus. Tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu malade là. Même si on est en été, je suis malade. Putain. Mais non non, il est vraiment super stylé le site parce que vous pouvez live sur Twitch, sur YouTube, vous pouvez live comme là on voit les gens ou soit sur votre téléphone directement et ça bug pas. Et ça a un bon son d'audio, tout ça. Bon, il y a quelques petits bugs. C'est parce que le site c'est il est pas totalement fini. Voilà, quand je l'avais téléchargé le site, il m'avait mis un truc. Attention, le site est que en presque fini mais bêta. Voilà, alors maintenant nous allons aller voir le deuxième truc pour le montage, deuxième application pour les montages. Alors pour ceux qui le voient, normalement vous l'avez vu parce que beaucoup de personnes l'utilisent sur téléphone, et de toute façon vous l'avez vu dans mes vidéos, il y a marqué KiwiVPN Ki Esprit ou je sais pas trop quoi. Voilà, KiwiVPN c'est pas ça du tout. Voilà, c'est ça. Oubliez KiwiVPN, c'est ça. Ou sinon, il y a cette application là, mais celle-là, voilà, je l'ai utilisée, elle est bien, mais voilà. Celle-là, elle est un peu dure à comprendre comment l'utiliser. Je vais pas vous faire un tuto comment l'utiliser, à part si vous voulez, mais voilà, elle est très, pour une application qui est sur mobile, elle est très très complète. Il y a quelques petits trucs qui manquent, mais sinon, elle est très 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 complète. Vous pouvez changer le son, mettre les vidéos comme là, vous allez voir. Normalement, si vous avez vu, il y a un gameplay juste derrière de Call of Duty, peut-être ou peut-être pas, je sais pas du tout si je vais y arriver, mais normalement oui, parce que c'est assez facile de le faire tout simplement. Alors là, nous allons voir la troisième et dernière application, comment faire des miniatures sur téléphone tout simplement. Tout simplement. Alors vous allez voir là, vous voyez que je l'ai pas du tout. Et bah l'application, on va aller dans mes applis. Voilà, il y a mon Discord, venez me rejoindre sur Discord. Après, il y a aussi cette application là que j'ai utilisée pour les montages, pour avoir de la bête de qualité. Je vous la conseille. L'application que j'utilise aussi, elle a la bête qualité comme celle-là. Juste celle-là, il n'y a pas marqué le truc comme en haut. Là, il y a une petite pub pour ça, mais on peut l'enlever sur Samsung. Après, iOS, je ne sais pas du tout. Attendez, je la recherche, je la recherche. Et c'est pas ça. Elle est là. Voilà, vous marquez ça, vous marquez prix, voilà, photo. Vous pouvez aussi, si vous payez, je crois, c'est un abonnement de 4 euros par mois, faire vos montages de vidéos dessus. Vous pouvez monter des vidéos dessus tout simplement. Voilà, attendez, je vais vous faire voir si je peux rentrer dedans. Voilà, ça vous ouvre, vous faites ça, vous avez. Soit au début, je pense qu'ils vont vous demander de créer un compte. Moi, j'ai créé un compte, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez. Alors, il y a cette petite pub là au début. Vous faites juste la croix. Touchez à rien d'autre. Vous faites la croix. Normalement, ils vont vous demander de créer un compte.
Tout simplement, voilà, moi j'ai un abonné, mais il y a tout, presque toutes mes miniatures que j'ai faites depuis que je l'ai dessus. Presque, il y a presque toutes les miniatures. Voilà, venez me rejoindre pour ceux-là qui veulent voir les miniatures. Ça veut dire que si vous me rejoignez là-dessus, vous pouvez peut-être voir presque les vidéos en avance. Voilà. Alors, je vais vous faire voir comment ça fonctionne un peu. Alors là, vous voyez, 3 jours et 3 jours, essai gratuit. Pour avoir l'essai gratuit, il faut payer 4 euros. C'est-à-dire que c'est pas trop gratuit. Alors, on va dire... Attendez, parce que... Voilà, on va aller dans cette photo-là. Voilà, par contre, quand vous avez pas le... Voilà, ce truc-là. Et bah... Tout simplement, bah... Voilà. On va dire, là, je vais rajouter quelque chose sur cette image. Bah, vous avez juste à cliquer sur le petit truc-là. Le petit bonhomme que je suis en train d'appuyer dessus, là. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, vous marquez le truc que vous voulez. GTA... Vous marquez ce que vous voulez. Moi, je marque juste jeu. Et ça me trouve plein de trucs. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je peux rajouter ce que je veux. Après, si vous cherchez Call of Duty, il n'y a qu'un seul truc. Malheureusement, il n'y a pas. Et moi, je sais pas comment faire pour en mettre. Sinon, voilà. On va dire, je sais pas, moi, je veux cette photo-là. Tout simplement, sur la photo-là. Alors, je peux la mettre comme ça. Soit tout petit comme ça. Ou soit énormissime comme ceci. Voilà. On va pas niquer ma photo. Après, vous pouvez faire du texte, la lumière, ça c'est super beau par contre. Voilà, vous prenez un truc comme ça, vous l'étirez un peu. Ça fait une petite signature super bien. Super beau, ça on va prendre. Et si vous êtes trompé, vous avez juste à faire la flèche qui est en haut. Après, vous pouvez régler l'écran, pas mal de petites choses. Voilà, alors je vais vous faire voir en même temps. Ouais, tu nous as fait voir pour ça, mais pour les deux autres, tu nous fais bien pas voir, espèce de petit. Voilà. Alors, on va aller sur cette application là. Normalement, ça a dû tourner l'écran, ou je sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà, vous avez vu, on va aller faire la croix. Voilà, vous prenez pour YouTube, c'est du 16.9. Voilà, et si vous voulez, la vidéo de Call of Duty que j'ai tourné tout à l'heure, c'est que j'ai pas trop réussi à faire. Voilà, vous faites bien. Et je voulais rajouter une vidéo, normalement, parce que j'y arrive pas de m'occuper de ouf. On va dire, je peux rajouter cette vidéo là. Ça prend pas beaucoup de place dans votre téléphone.